Notre première maison hantée, c'est tellement émouvant. Dès que t'es en dessous, c'est que c'est la bonne. Dès que, bah c'est ça, dès que t'es en dessous de 13. Hein. J'ai pas de lampe torche du coup. T'as pas de lampe torche? Bah reste à côté de Bob ou va prendre une lampe torche, c'est pas comme tu veux. Alors pour énerver le fantôme évidemment. Je reste à côté de Bob. Ouais, cette excuse pour aller dans les bras l'un de l'autre. Cette excuse pour aller dans les bras de l'un de l'autre, sérieux. Pas 13. Si, si, en dessous de 13 déjà, en dessous de 13, ça va du mieux. Alors, moi j'ai rien au rez-de-chaussée. Quelqu'un va à l'étage? Allons à l'étage, Nick. Et au pire, attends, il y a le sous-sol, mais on fera après. Le sous-sol, il est en. Moi je m'occupe de. Je m'occupe du rez-de-chaussée. Alors, première pièce, mon cher Nick. Rien dans la cuisine, rien dans le salon. Je vais au garage. Alors si vous trouvez un os par terre, faut le prendre en photo, ça rapporte des boulas, c'est une preuve ADN. C'est une preuve ADN, vous pouvez la prendre en photo, cette preuve, et juste après la récupérer comme un matériel, mais elle compte pas comme un matériel en fait, c'est juste ça rapporte de l'argent en fait. Rien du tout pour l'instant, salle de bain, chambre à bébé, chambre d'enfant, rien du tout, deuxième chambre d'amis. Je vais dans la cave parce que j'adore ça. Le disjoncteur est dans la cave, hein. On veut pas le MF, on veut le temps. Oh, il y a un tableau. messieurs. T'as trouvé? J'ai trouvé un plateau de Ouija. Le truc qui énerve totalement le fantôme. Si on résout l'enquête, messieurs, on fêtera ça avec le Ouija. On l'a trouvé, mon cher Maillard, il est à l'étage. Pardon, restons là, je vais quadriller, mon cher Zygmunt, continue à s'allumer. Vous avez entendu un robinet qui coule? Oui, il est dans la pièce. Le robinet qui coule, c'est une. Faut prendre. Voilà. On peut arrêter le robinet et en prenant en photo cette eau croupie, ça rapporte une preuve et donc de l'argent. D'accord. Alors c'est dans les toilettes ou dans la chambre? Ah, on sait pas trop. Alors là dans la chambre, je suis à moins 3. Ok. Toilette. Non, c'est dans la chambre parce que ce placard c'est entrouvert tout seul. Ah si, ok, ouais. Si c'est entrouvert, ouais. Ok. Ouh. Si tu pourrais légèrement réduire ton son Zygmunt un tout petit peu, un poil, hein, vraiment genre 5-10% grand max, 5%. Quand tu peux. Ah, c'est mieux. Ouais, allô. Ouais. Bon, c'est bon. La bonne nouvelle, c'est que du coup, c'est à l'étage. On sait. Hein. Tout le tour de l'étage pour arriver dans la dernière piole. Et on a deux caméras. Je vais regarder les angles. Ah, ok, super. Alors, t'as pris les deux caméras. Moi, je prends l'appareil photo parce que. Tout va bien se passer. Alors, si tu as une lampe sur l'épaule, appuie sur T. Bah non, il a pas pris de. Il a pas pris de. C'est bon, je me suis retrouvé. Tout va bien. Tout va bien se passer, c'est faux. Alors vous êtes pas obligé de rapporter le matériel dans le. Vous êtes pas obligé de rapporter le matériel ici. Hein. Vous pouvez le laisser sur place, okay. Vous pouvez l'abandonner n'importe où. Hein. Il y a aucun. Oh, il y a un pic d'activité apparemment, 6. Les gars, on est tous à 50%, on est tous genre pas bien. Il va commencer à bien s'énerver là. Hein. Super. Sachant que. C'est un signe le fait que notre santé mentale est vachement diminuée en un temps où il ne s'est rien passé. Oui, c'est un signe. C'est pas les Yurei qui te bouffent plus rapidement? Oui, exactement, c'est les Yurei. Sachant que. C'est pas sûr et certain à 200%. Donc, par contre, évidemment, on bouffe plus de santé mentale quand on est à plusieurs. Et quand il y a quelqu'un avec une santé mentale réduite qui va dans la maison. C'est cette personne qui va conditionner le taux d'énervement de l'esprit. Zygmunt, tu étais à combien de pourcentage de froid? Tu étais à combien de froid? Moins 10, j'étais à. Il a allumé la lumière, enculé. Ah oh bah ouais, moins c'est 3 clair. J'étais. Ouais, alors. Putain, il a allumé la lumière, donc c'est pas un cauchemar, c'est sûr.
problème parce qu'il n'y a pas d'embossement automatique. Tu peux augmenter un poil ton son, s'il te plaît, Bob, hein, éventuellement. Genre de 5%, ah, pas besoin. C'est donc que il a pas allumé la lumière, donc il n'y a pas d'orbe fantôme. Enfin, je vois pas les orbes fantômes. Ouais, tu peux pas. Moi, j'y vais, d'accord. Restez tous les deux là, parce que si on se bouffe tous de la santé mentale. Non. On va y aller, Je vais prendre le machin pour lui parler. Ok. Peut-être l'appareil photo pour prendre des photos de l'eau sale dans la propre salle de bain croupie. Ouais. J'ai pris un appareil photo aussi. Zygma, tu peux éventuellement surveiller les activités, nous prévenir quand on est dans la merde niveau arc-en-ciel ? Très bien, ouais, écoute, je vais faire ça. Je remarque que t'as pas beaucoup insisté pour nous accompagner, surtout. Oui, non, pas du tout. Je prends en photo l'évier. Alors n'oublie pas de rentrer la preuve dans votre journal, comme quoi il y a des températures glaciales. Donc on a les températures glaciales, on est d'accord. Oui, on a température glaciale. Je t'entends pas quand tu parles dans le. Pardon, on a température glaciale, on est d'accord. Ouais. Ok, très bien. Tu vois pour les empreintes ? Je ne vois pas d'empreintes. Oh, bouge. Ça clignote. Ça veut dire on va mourir ? Oui, ça veut dire carrément. Ouais. C'est fermé. C'est normal que ce soit fermé. Viens. Enfermons-nous dans la buanderie. Là, ici. Ferme bien la porte derrière toi. Faut que ça claque. La porte. Éteins la lumière et serre-moi dans tes bras. De temps en temps, si on parle fort, il nous entend, hein. De temps en temps, allume ta lumière pour voir s'il est encore là. Mais pas besoin, parce que ça clignote à travers la porte. Bah, je vois pas, moi. Ça va ? Vous êtes en vie ? Ça va, ouais, super, merci, hein. Rien. J'ai vu, vous y êtes petite fête, là-bas. Ouais, bah, on s'est éclaté, c'était le fun. C'est quoi nos santé mentale, Sigma ? Ouais, 25% pour Maillard et 35% pour... Ok. je remonte à l'étage alors. Ok, je laisse mon appareil photo en haut des escaliers, d'accord ? Et je vais aller prendre mes cachets, parce que je me sens pas super bien. Laisse surtout ta lampe, parce que j'ai qu'une lampe UV. Skas, reviens dans la buanderie, dans mes bras. C'est toi que je sens sur ma cuisse. C'est mon érection, fais pas de bruit. Ah. Il est un peu énervé là. Ça clignote encore. Reste pas vers la porte parce que ça peut glitcher. C'est bon, je me casse. Zygma ? Vous pouvez sortir d'ici, je pense. C'est quoi la santé mentale, là ? On en est où ? 5 et 10%. Ouais, on va venir prendre des cachets, on arrive. faut pas que tu montes, C'est mort. 5% en. Ça s'est très bien passé. On s'est vraiment amusé, hein. Mais le c'était bien, ok. Il a pas lâché des orbes lumineuses, quelque chose ? J'en ai pas vu, non. Après, j'ai le lecteur EMF, ouais. Que j'avais rien vu avant. Je sais pas si je devrais peut-être le poser dans la pièce. Ouais, il faut le poser là-bas. Bah toi, vas-y, Zygma. T'as combien ? 50 ? Vas-y.
Bah vas-y. Va moi ça. Allez go. Va moi ça. N'oubliez pas ça, attendez. Les mecs, oubliez pas la radio. Ouais. Pour lui parler à ce connard. Prends le truc UV. Voilà au sol. Ben il prend une torche. Ouais. Cette espèce de bâton, tu peux pas la craquer pour faire de l'UV partout? Oui, tu peux. Tu peux, mais ça marche pas, l'UV marche pas très bien en fait. Ça donne une lumière qui n'est pas sujette à l'intervention du fantôme, mais c'est un truc que tu mets à la fin quoi. Ok, donc je prends quoi? J'ai le MF. Voilà, prends le MF, prends la spirit box et ta lampe et, ouais. Et vis ta vie la plus belle. Attends, moi j'ai pris des médocs, donc je vais l'accompagner. Bob, prends tes cachets ici. Prends un cachet. Je vais d'abord surveiller. T'as 8 pour... Je prendrai les cachets après, on verra bien. Ouais, d'accord. Préviens-nous quand même. Très bien. Entendu. Je vous tiens pour l'instant. Attends, je prends un truc. Ce petit enfoiré allume la lumière et éteint la lumière. Ah non, il l'a pas éteinte. D'accord, ça varie en fait. Je sais pas pourquoi, mais parfois la lumière augmente ou diminue. Tu l'as posé où la lampe torche, Bob, de UV? Ah, par terre? C'est bon. À tes pieds, là. Je l'ai, je l'ai. Alors, il y a une petite activité, on est à 3. C'est quoi la santé mentale de Sigma? Il est pas excité. Dans le jeu? La santé mentale de Sigma est à 51%, tu es à 45% pour l'instant. Ok, viens, Sigma, viens. Il s'énerve, je regarde les caméras. Il fait clignoter, n'entrez pas dans la maison. Suis-moi. Viens. Je te suis. Pas au mur. C'est bon, il s'est calmé, vous pouvez sortir. Ouais, j'ai remarqué qu'il s'est calmé. Hein. Je suis désolé, hein, j'ai vu le pic, j'essaie de vous prévenir au moment où le pic est tombé. Voilà, il est retombé à 0. Il est revenu à 3, il est revenu à peu près calme, mais il ouais. existe. Toujours pas d'orbe hein, à l'écran. Hein, ouais, ouais. Vous êtes à 25% et Sigma, tu es un point d'interrogation. Oh, je pense que tu peux ne pas dire vous, je pense que tu peux dire tu en fait. Hein. Ah merde, on peut prendre son cadavre en photo ou pas? Oui, ça rapporte du pognon. J'arrive. Ah, t'as survécu, excellente nouvelle. T'es à 6% par contre, faut que tu rentres. Et encore une fois, leur pic d'activité est total. J'hésite entre un Yurei et un démon. Hein. Je t'en prie pour Sigma, je suis désolé pour lui. Il me semble pas bien. Personnellement, je pense que c'est un démon. Hein. Le démon dit qu'il est extrêmement agressif. Ouais, il est super énervé. Ouais. En plus, il y a un table de Ouija dans le sous-sol. Oh, ça va aller. Franchement, je pense que ça va aller. Sincèrement, moi note dans ton carnet démon et puis bonne chance. Je vais aller poser du matos. Je vais aller me dépêcher de poser tout le matos que je peux.
Je vais me dépêcher de poser tout le matos. Poser matos où ? Dans la pièce qui est hantée. Le livre, est écrit. Activité rang 1. Il y a l'écriture, super, excellent. Ouais. T'es en activité 1, activité 4. Commence à sortir de là, il se réveille. Ok. Ah putain, c'est soit un Yurei, soit un démon. Ce qu'il nous faudrait, soit un EMF. Non, pas un EMF, pardon. Un spirit box ? Une spirit box. Ok, je vais chercher la spirit box. Soit l'empreinte. Alors, une spirit box, un spirit box ou des orbes fantomatiques. Mais des orbes fantomatiques, on a inspecté la pièce à l'infini, il y en a zéro. Je pense que c'est spirit box et démon. Hein. En plus, il est trop pas gris. Ça peut pas être des UV ? Négatif. Impossible que ce soit des UV ou des empreintes. Ok. Je vais poser la spirit box. Oh non, j'ai pas très envie de lui parler en fait. Il est activité 0 et ta santé mentale est à 70% environ, t'es bien encore. J'ai posé la spirit. T'as posé la spirit, pose-lui une question, ça coûte rien. Avant de lui poser une question, je vais d'abord prendre une photo de notre collègue. Si tu trouves 0 activité pour l'instant, t'es à 70%, tout va bien. 66, mais comment on s'est fait défoncer là? Moi je pense que c'est. Pic d'activité 1, tout va bien, t'es à 61%, t'as perdu 5%, mais bordel, ça va tellement vite. Ok. Ça tombe méga vite. Hein. Ça ressemble à Yurei, en même temps j'ai peur que. Ah, t'es. Et retourne à la spirit box si tu peux, alors viens au camion, prends des pilules, puis retourne-y une dernière fois. Attends, 60%, 100%, c'est. Je serai à ton niveau de 100. Ouais. Attends. T'es à 60%, tout va bien. 60%. Et le démon est très très calme, donc il est ok. Si t'arrives à lui poser une question à la spirit box, on peut. Ok, je vais lui poser une question. Quel est ton nom ? Où es-tu ? Tout va bien. Quel est votre âge ? Il est ok. 55. Quel est votre âge ? Quel est votre âge ? Je vais poser des questions là. Je répète, à 0. Quel est votre âge ? Quel est votre âge ? Pas encore, non. Donnez-nous un signe. Il est à 1 d'activité. Honnêtement, je pense que j'ai raté mes angles de caméra et que c'est une orbe fantomatique. Et qu'en fait, c'est un. Ah, où est ta. T'es à 50%, attention, activité 5. Il se réveille, il fait des choses, t'inquiète. Je sais pas où il est. Ouais, j'ai peut-être un peu flippé. Où tu as posé ta caméra? Les deux sont dans la chambre, mais peut-être que j'ai pas pu couvrir un angle suffisant. Donc, ça se trouve, voilà. Alors les gens ils sont là, vas-y, donne le nom, ouais non, l'appelle pas Suzanne Williams. Alors quelqu'un m'a dit, je l'ai vu sur le lit depuis la cam. Alors. C'est Sigma qui dit ça, peut-être qu'il a vu l'orbe. Ah. Peut-être que l'orbe est dans le placard, est-ce que tu peux ouvrir la porte du placard au max sur ta couche? Il y a les deux caméras qui sont là-bas? Ok. Ok. Voilà, ce placard-là. Ouvre-le à donf. C'est bon ou pas ? T'as bougé la caméra. Ok, ouais. Sors, clignote. Bonne chance. Merci. Ok, je me casse. Ouais, c'est normal, je me casse. J'ai vu l'orbe 100%.
c'est quoi moi, ma santé mentale? 15%, mais tout va bien vu que t'es en ligne droite et que l'activité est à 0, t'as un peu de temps de repos après. Hein. C'est bon, il se réveille, mais il a 1 là, tout va bien. J'arrive, je cours le plus vite possible. Félicitations, et j'avais mal placé les caméras, il faut toujours caler les caméras dans les portes de, dans les portes en fait. Dans les encadreurs de portes. Pas que, non, t'avais raison. Donc sélectionne bien tes, les options, les indices. Ouais, mais regarde la caméra, ne serait-ce que pour ta propre satisfaction. Regarde, ouais. L'écran à droite là, sur la droite, et tu vas. Tu vois. Attends un peu pour le plaisir de tes gens. Moi, regarde cette voilà. Salope. C'est pour immortaliser, c'est pour les vacances. On est foutu. Ah, ok. Je vous préviens, on est foutu. On est foutu. Alors, passe devant et soyons méthodiques, c'est-à-dire allumons déjà la lumière de l'entrée et ensuite faisons le tour qui est la lumière de quelle porte super. Faisons deux groupes. Alors, je vous laisse l'étage. Je vous laisse le rez-de-chaussée, je vais à l'étage. Si vous trouvez un os par terre, vous pouvez ne le ramassez pas tout de suite. Si vous voulez un peu l'énerver, vous pouvez utiliser les interrupteurs. J'ai trouvé une clé, ça sert à quelque chose. Oui, une clé, c'est par exemple pour ouvrir. Arrête de t'éparpiller, j'ai besoin que tu m'éclaires. Je ne suis pas, je ne vois rien. Alors pour répondre à ta question, la clé te permet soit d'éteindre la voiture dont l'alarme peut d'un seul coup s'emballer, soit ouvrir une porte arrière pour s'enfuir. Mais ça arrive rarement. Il n'y a rien dans le garage, on se casse. Il n'y a rien dans la salle de PC, on se casse. Il n'y a rien dans ce placard, il n'y a rien ici, on se casse. Cette porte, qu'est-ce que c'est? Ça mène au sous-sol, Sigma. Ok. Je suis à 15, toujours à l'étage. Ah oui, mais je peux pas faire les deux. Rien du tout dans le sous-sol, casse-moi. Je te suis, Sigma, c'est toi qui éclaire. Est-ce que tu peux un tout petit peu, un poil augmenter ton son, s'il te plaît, Bob? Ah, je suis désolé, je peux pas. Enfin, je parle doucement parce qu'il y a ma femme qui. Ah, d'accord, ok. Ah, ok, c'est pour ça. Bon, bah alors, c'est normal alors. Moi j'ai rien du tout à l'étage. Hein. Rien dans cette pièce, on a 13 degrés pareil. Moi j'ai rien du on tout. On a fait tout l'étage du bas et on a fait le sous-sol. Je suis perplexe. Moi aussi. Faut jouer avec les lanternes. Enfin les lanternes. Les interrupteurs. Oui, 7 degrés, 9 degrés. Oh, où ça? Est-ce que c'est dans le couloir? Ah! Dans le couloir du rez-de-chaussée. Ouais, ça, il peut être dans le couloir, ouais, tout à fait, ouais. J'y suis, je l'ai, c'est dans la salle du PC du couloir de rez-de-chaussée là où on se trouve. Sigma abandonne le matos et c'est l'heure du setup. Ok. Où ça? Ok. Ok, très bien. On a allumé la lampe. Parfait. J'ai tout lancé par terre. J'ai posé l'EMF par terre. Je lâche ma lampe torche sur le sol dirigée vers. Je lâche ma lampe torche sur le sol dirigée vers le couloir pour avoir les mains libres quand je reviens. Pour le plus vite possible. Avoir le matos sur place. Encore un tapis hanté. Ok. Je vais dans le camion, je vais vous dire l'état de votre santé mentale dans le jeu. On peut parler dans la spirit box sans tenir la spirit box ou ça marche? Absolument. Absolument. On est tous à peu près à 80. Ok, j'essaye. Je vois un cul à travers la caméra. Je répète, je vois un cul. Sigma. C'est le tien. Avance. Je te vois. Vous pouvez éteindre la lumière éventuellement. Voilà. Bob, est-ce que tu croises avec une autre caméra? Ah ouais. Ouais, très bien. Alors, la lumière est éteinte et je parle dans la spirit box et ça dit rien de détecté.
Bah pour l'instant, mais de toute façon, ça parle. T'es pas obligé de te baisser pour parler dans la spirit box, hein. C'est quand tu es à côté. Genre, si, même si t'es à 1 ou 2 mètres. Il a appuyé sur le piano. Il a fait tum sur le piano. Bah, c'est une mauvaise nouvelle. 75. À l'écriture. Il a écrit sur les livres. Il a écrit sur le livre ? Oui. Ah. Le livre est écrit. Vous pouvez prendre. Vous avez à peu près 5 secondes pour prendre en photo. Un phénomène surnaturel pour que ça vous rapporte de l'argent. Trop tard parce qu'on n'a pas d'appareil, ouais, on se casse. On se casse, mais de toute façon on n'a plus de matos donc. Moi, ah, ok, d'accord. Ah, le coquin, il a allumé la lumière. Il a allumé la lumière, il a allumé la lumière. J'y retourne. Il a allumé la lumière. Écriture pour le moment au niveau des indices. N'oubliez pas de noter dans votre journal si vous voulez valider la fin. J'y vais sans lampe torche, parce que j'y vais sans lampe torche parce que c'est quand même plus rigolo. C'est faux bien sûr. Ne faites pas ça. Il a éteint ? Il a allumé ? Non. Tu as force 5, donc il est en train d'agir là, il fait des choses. N'hésite pas, Sigma, appuie sur la souris et sur la souris pour switcher les caméras. Surveille les caméras, je vais y retourner. Très bien. Avec une lampe UV. Ok, très bien. Ok, j'ai Bob, sur le tapis, j'ai mis un appareil photo. Si tu vois une empreinte ou un truc comme ça, oublie pas de prendre l'appareil photo. D'accord ? Je vais vous dire au niveau de l'activité, au niveau de votre santé mentale. Il ne parle pas dans la spirit boîte. Pour l'instant, peut-être. Il y a une. Où la belle empreinte sur la porte ? Empreinte sur la porte. Ok. Très bien. J'ai pris la photo même sans. Oh, je le vois, au secours ! Prends-le en photo ! J'ai pas eu le temps de le prendre en photo. Je suis dégoûté. Ah, bah, le au secours supérieur à photo, je comprends. Il est à 5 en activité, Bob. C'est un mec avec un crochet. Ah. Donc un spécialiste du tricot, donc. Alors, il a fait une apparition et surtout, il a une empreinte photomatique. Et il nous écrit dans les... On a rempli deux objectifs, regardez. J'ai posé un détecteur de mouvement. Donc on a rempli cet objectif, donc c'est très très bien. On va commencer, il va commencer un peu à s'énerver. On est à 60%, les gars. On va commencer à un peu à s'énerver. Salut l'Isaac. Je vais prendre des pilules. Alors, pilule rapporte 40%, donc tu peux attendre un peu. Trop tard, c'est mon droit le plus. Tu te sens pas bien, Bob. Je viens de voir le fantôme, ok. C'est vrai. Et surtout, je suis dégoûté parce que j'ai pas pu le prendre en photo. Alors attends, du coup, on sait que c'est les empreintes, tout ça, donc t'as plus besoin de la lumière. Du coup, il peut pas y avoir d'orbe. Ah ouais, donc EMF, je l'ai posé sur place, donc c'est peut-être l'EMF 5, hein, non ? L'EMF, je l'ai, j'ai l'EMF là. Donc, tu l'as posé là-bas ? Je suis à 100... Non, je l'ai à la main, je l'ai à la main et j'ai la lampe et j'ai à 100% de santé mentale et en plus il a l'air de vouloir m'en vouloir à moi, donc j'y vais. Donc ouais, soit EMF, soit esprit. Esprit ou revenant ? Non, esprit revenant. Le revenant, il se déplace vite, hein. Attention, hein. Oh ! Pour l'instant. Tu vois ce que je vois, Zygma ? Oh oui. Ouais. T'as vu, c'est un beau château fort, un très très beau château fort. Hein. Ah, magnifique. T'es à 90. De... Ok, alors pas de réaction de la part de l'EMF. J'aime bien parce que on est tous les deux là tranquille dans le camion. Bah oui. Dis donc, Sigma. Alors, je suis allé à un resto chinois l'autre fois, mais ils te font. Franchement, c'est délicieux. Alors, au niveau. Ah, c'est superbe. Alors, c'est pas très pimenté, c'est vraiment délicieux. Qu'est-ce qu'il a dit, Bob ? J'ai pas entendu. Aucune idée, j'ai pas écouté. Ouais. EMF level 5. Ah, et... Hein, c'est dangereux, ça a l'air d'être un peu dangereux quand même.
Ah, t'as dit EMF. EMF. EMF level 5, c'est un revenant. Très bien. Ah, okay. Du coup, ce qu'on peut faire, ça, c'est aller stalker pour aller récupérer le reste des preuves. C'est-à-dire chercher s'il y a un os par terre ou un truc. Alors évidemment, il y a toujours un risque hein, qu'il apparaisse et qu'il soit pas content. On a pas un crucifix hein. Ouais, j'ai posé un... je l'ai peut-être dans la main, mais change pas de sujet. Bon, je vais poser un crucifix, ça va, vas-y, ça m'énerve. Alors que j'ai ouvert mon cœur, Zygma. Hein. Avant de faire ça, prends des pilules. Non, j'ai pas besoin de ça, je suis pas un fou, moi, je suis pas un drogué, moi. Bon, après, on me dit que l'os est au garage, donc ça veut dire qu'il faut passer par l'endroit où c'est maudit et il y a une porte sur la droite quand tu okay. y vas, qui mène au... Dans le garage purée, mais Bob, préviens si tu viens dans la maison. Mais excuse, garage il est à la droite là, c'est cette porte. Ok. Donc apparemment ça dit qu'il y a un os dans le garage. Il est là, regarde, il est là. Ok, prends-le en photo. Je l'ai pris en photo. Et après tu peux le ramasser. Je l'ai pris en photo, je l'ai ramassé. On peut se casser parce qu'il n'y a pas d'objectif de prendre ce connard en photo. T'as pris en photo toutes les empreintes? T'as chargé toutes les empreintes partout? Tu peux chercher aussi les empreintes sur les interrupteurs. Oui, non, mais je vais chercher les preuves et puis c'est marrant, tu vois. Ouais, mais ça rapporte... Ouais, c'est ça. Donnez-nous un signe. Oui. Donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe. Vous me dites quand l'activité est énervée. Hein. L'activité est force 4. Je surveille ça. Où êtes-vous? Sigma, surveille les écrans. Arrête de tourner autour de toi toi-même et de faire n'importe quoi. Surveille les écrans. Mais je surveille les écrans. Et je vois tourner. C'est que je tourne sur moi. Donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe. Maillard? Oui. Ok, tout va bien. Très bien. Ok. Juste pour vérifier. Activité 3 constante. Donc IRO 2, ISO 2. Ok, c'est le crucifix. Vous me dites quand le. Quand c'est. Validé le crucifix. Ok. Empêcher le fantôme de chasser avec un crucifix, c'est pas validé. Si tu veux, tu te veux l'énerver, son nom c'est Sandra Martinez. Bien reçu. Forcé à chasser, du coup, utiliser... Sandra Martinez. Faut le faire en vrai et pas à la radio, je crois. Sandra Martinez. J'ai peur. Donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe. C'est toi qui as allumé la lumière dans la pièce où tu te trouves, mais on te voit à travers la fenêtre. Je te vois prendre des photos, pif. Non, j'ai pris la photo. En fait, j'ai posé du sel par terre pour voir les empreintes, les passages du fantôme. Donc j'ai pris les photos de... Ah, voilà. Zéro d'activité depuis tout à l'heure. Donnez-nous un signe, Sandra Martinez. Donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe, Sandra Martinez. Photo, on a empreinte digitale, os, interaction, empreinte de pas, donc là t'es en train de faire du tune à l'infini. Bah c'est pour tout le monde là, ouais. Sandra Martinez, donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe, Sandra Martinez. Sandra Martinez. Ah, le revenant se déplace à une vitesse extrêmement grande et plus rapide lorsqu'il chasse une victime. Et le sel ne bloque pas le... Le revenant ? Qu'il a de faiblesse particulière au sel. Sandra Martinez, donnez-nous un signe. Par contre, ça fait 60 secondes que l'activité est à zéro. Waouh. Donnez-nous un signe, Sandra Martinez. La lumière, c'est... Sandra Martinez, donnez-nous un signe. Soit parce qu'il a bougé dans la maison, si tu veux. Mais je te vois en train de ressortir, peut-être. Ouais. Sandra Martinez, donnez-nous un signe. Zéro d'activité. Ah, je crois que c'est peut-être parce que la lumière est allumée.
Sandra Martinez, donnez-nous un signe. Où êtes-vous? Où êtes-vous, Sandra Martinez? Bon, du coup, je viens, je sors. S'il fait que dalle, on va y aller. Attends, il n'y avait pas la Ouija? Personne n'a vu la Ouija? Non. Pas là. Attends, il y a une activité force 4. Ok. Et il a déclenché le détecteur de mouvement. Ah, lol. Ah, très bien. Donnez-nous un signe. Quel est votre nom? Il a bougé au détecteur de mouvement. Donnez-nous un signe, Sandra Martinez. C'est toi qui déclenche, je pense. Donnez-nous un signe. Sandra Martinez. Sandra Martinez. Où êtes-vous? Sandra Martinez. On me dit que parce que j'ai pris l'os, il a plus de chances de m'en vouloir à moi, en fait. Ah. Je sais pas comment le fuir efficacement. Bah non, mais c'est pas... Faut pas... Je pense qu'on va... Je pense que... Bon, on a fait... Non. Très sincèrement, on se casse, ouais. Le revenant c'est ça. Parti se coucher. On est tout à fait d'accord. Il y a activité 1, mais vraiment, il se touche à... Ouais, voilà, c'est ça, c'est qu'il en... Je pense qu'il est en PLS en train de dire « Oh, vous avez trouvé qui je suis, où je suis, je suis malheureux !» Si ça se trouve, c'est ça. Hein. Non, moi je pense qu'il est en mode « J'accouille sur ton détecteur de mouvement, il est à vert, rouge, vert, rouge. » Je t'entends ricaner, Baba. Oh, de rigoler, prenez les clés. Prenez les clés. Quelle équipe de vainqueurs. Non mais y'a qu'à sonner, le fantôme il ouvre pour nous. Bah bien sûr. Ah ouais, c'est Halloween, ouais. Je comprends que c'est une blague. Hein. Alors je suis... Vous partez à l'étage? Moi je reste au rez-de-chaussée. Hop. Rien pour l'instant dans la cuisine. J'essaie de détecter des sons avec l'antenne parabolique. Ok, alors est-ce que ça marche? Je sais pas. Hein. Je vais voir si quelqu'un tombe sur une un plateau de Ouija, on va faire notre notre premier Ouija à 3. Comment ça, c'est flippant dit comme ça? Rien ici. Pour l'instant, j'ai rien, non? Ouais, moi non plus. J'ai que... Mon détecteur parabolique marche mes couilles, je suis dégoûté. Oh, c'est toi qui voulais... c'est toi qui voulais avec tes lubies de... à Tony Stark. Et c'est des trucs trop chelous, quoi. Un petit doudou. Ah, 15, ouais, c'est pas des masses. Au rez-de-chaussée. Y'a quelqu'un qui couine dans l'escalier, hein. Je sais pas qui c'est, mais... Ah, y'a rien. Non plus là. Petit dodo, rien. Rien. Trichard. Rien ici. Regardez si vous voyez un os par terre quand même. Hein. Alors on me dit qu'il y avait l'os en haut dans la salle, j'avais pas vu. Ok, très bien. Donc faudra la prendre en photo l'os. Par contre, je suis dégoûté par contre le truc parabolique, j'ai pas appris à m'en servir correctement. Ah bah c'est pas grave, ça sera pas. Il y a une activité à 3 à un moment, il y a 30 secondes quasi. Oh, à l'EMF? C'est le crazy. À l'EMF? Non, non, au truc du bâtiment là, je suis au building. Au thermomètre? Ah non, à je suis dans le camion. Je suis rentré pour rendre l'antenne parabolique et prendre un. Ah, tu peux le laisser sur place en fait, t'es pas obligé de rentrer à tout le matos. Hein. Mais il m'a coûté cher, t'as. Bah, si tu le laisses sur place, tant que tu meurs pas, il revient à la maison. Alors là, rien. Ah, 9, j'ai un 9. Par là, quelque part là, ici. Quelque part ici. Merci, Nioli. Ah, il y a un os là. Garde-le. Ok. Ah ouais. Ici. Ici à ma gauche. Là, ici.
À l'intérieur. Oh, degrés dans cette pièce. Oh, il y avait un gobelin. Vous êtes en... Oh, c'est trop bien. Il y avait un monstre là pendant une seconde. Non, c'était pas drôle, non. Si, si, on aurait dit un rat. Un gros rat avec une hache, mais ok. Il y avait une hache ? Oui, il y avait une hache. Attendez, mais il y avait rien quand je suis venu avant ici. Donnez-nous un signe. Déjà ? Mec. Level 5, level 5 sur la tête. Ok, très bien. On va aller voir la santé mentale. Bon, intéressant, je n'irai pas jusque là quand même. Côté température, on était à quoi ? En négatif ? Non, on n'était pas en négatif. Bon, on a déjà un EMF, on est nickel. Ouais, pour l'instant, c'est efficace, tout à fait. Merci, petit soirée spooky. La santé mentale, on en est où ? Ouais, ça va, ça reste correct. On est full life, sans déconner. Mais arrête ! Crucifix, faisons pas. Il faut un capteur de mouvement, c'est ça ? Alors, pour le capteur de mouvement, ça marche comme ça. Tu le prends et tu dois. Vaut mieux que tu te baisses parce que. Et que tu. Au niveau de quelqu'un de baisser, tu le colles contre un mur et t'appuies sur la touche F, un peu comme avec l'encens. Donc, tu utilises la touche F et contre un mur. Donc, tu te mets contre un mur et t'as une sorte de filigrane du détecteur de mouvement qui se pose contre le mur et quand t'as appuyé sur F, il se fixe. J'ai pris les UV et j'ai pris une caméra. Et une photo. Le câble. Attends, je vais prendre une caméra. J'ai une caméra aussi. Ah, ok, très bien. Maillard, fais pas qu'on revient. Prends une caméra front. J'ai pas assez de place. J'ai un. Mais non, mais elle est frontale. C'est pas quelque chose que tu t'équipes. Ça se met sur ton front et. Ah, d'accord, ok. Ouais, vous voulez que je reste au camion, mais vous avez du frontal ou bien. Ouais, reste au camion, c'est une bonne idée. Moi, je propose qu'on envoie Zygmunt. Oh, merci. Et si je dis s'il te plaît ? C'est compliqué. Et si je dis s'il te plaît beaucoup ? Je suis mort. T'es mort ? Pas. Non, il a juste tenté de me faire une pression. Putain, Nadis. Il m'a apparu devant, il a tenté de me faire une pression et il marchait vers moi. Non, on est toujours. Ah, non, c'est bien. La santé mentale de Bob, c'est quoi ? 88. Ça va. Alors, je vais la poser sur la chaise. Qu'est-ce que t'entends, regarde. Si je pose sur la chaise, là. Détecteur de mouvement posé. Le carnet a été posé à toi. Laisse-moi essayer. Écrivez dans le carnet. Mais qu'est-ce que tu fais, mec ? Tu dis pas d'écrire dans le livre ? Écrivez dans le livre. Enfin, tu peux le poser au milieu, hein, mais. Alors, je vois. J'essaie de voir s'il y a des empreintes. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y a des empreintes. Éteins la lumière d'abord, puis je vais me parler. Oh, ok, d'accord. Parlez-nous. Oh ! Il nous parle. Il nous parle, il nous parle, il nous parle. C'est quelle porte qui a été ouverte là ? Pas ouverte, fermée. Pas ouverte, fermée, il nous fait un. Ah. Ok. Bon, pas encore. Pas encore. Il parle et il a. Activer un EMF level 5. Tu peux me redire où est l'os, Bob, s'il te plaît ? Dans la piole juste avant. Ok, dans la piole juste avant, ok, ça marche. Je vais la prendre en photo. Ok, il parle dans la spirit box. Hein. C'est soit un djinn, soit un oni. Je serai plus partant pour un djinn parce qu'il est très territorial. Quand on se ramène sur lui, il nous attaque direct. Tu vois, il nous met la pression. Et... Photo de l'os, ok. Voilà.
thermale a été remplie dans les objectifs. Ok, très bien. Question. C'est soit un jean, soit un. Soit un autre. C'est simple. S'il écrit dans le bouquin, c'est un Oni. S'il y a une orbe, c'est un jean. Ok. J'essaie de. Avec la caméra, je vais essayer de croiser là. Ma frontale. Avec ma frontale, je me pose ici, ok? Pour que ça marche, il faut que t'éteignes ta lumière. Oui, ça va. Non, mais pour de vrai, sinon on voit pas les. Ok, super. Maintenant, scanne la pièce tout doucement en laissant ta lumière éteinte. Voilà. Et ne bouge pas. Pas d'orbe pour l'instant. Je me sens absolument pas bien. Rien, pas de signal. Regarde un peu plus sur ta gauche. Rien du tout. Tu peux rallumer ta lampe, te tirer. Je pense pas qu'on détectera un truc avec ta caméra. Oh, il est apparu. Il faut en fait que tu tires. Ouais. Il faut que tu tires. Il fait semblant de t'agresser, mais t'as moyen de le semer, je pense. Ah. Communication n'a pas été coupée, donc il est pas en chasse non plus. Ah. Il a juste essayé de te mettre un coup de pression. Non. De te mettre un coup de pression, ouais, respire. Mais je pense que quand même. Santé mentale 60% et t'as mis un coup de pression. À mon avis, c'est 100% un jean. Ouais, mais c'est quoi, c'est. Jean, c'est quoi, c'est. Ouais, jean, c'est orbe. Mais c'est juste qu'on n'a pas trouvé les bons angles. Il t'est réapparu, il essaie de te mettre la pression, ouais, petite vêtement, sors. Ok, 2 secondes. Ok. J'arrive. Sors, tout va bien, t'as fait un super taf. Il ne nous poursuit pas plus que ça lorsque tu... Même quand t'es dans la pièce, tu vois, il nous a pas agressé, un Oni nous aurait déjà sauté dessus. Et là, il a essayé de nous mettre 1000 fois la pression. Ouais, mais il faut quand même générer l'autre matos, hein. Et c'est l'orbe, mais c'est l'orbe, t'es sûr? Oui, il manque l'orbe pour que ça confirme que ce soit un jean, mais pour l'instant, on n'a pas de confirmation. Pareil pour le détecteur de mouvement, il ne l'a pas déclenché. Ah si, il l'a déclenché. Super. Ouais. Il manque plus que la photo de l'eau sale dans l'évier. Est-ce qu'éventuellement tu veux t'en charger? C'est en montant l'escalier, c'est en face de la pièce. Ou alors je peux m'en charger, tu sais quoi. Alors pour ça, tu peux demander. Alors je ne connais plus le terme de commande, mais je pense que tu peux demander de remplir l'eau sale en fait. Tu peux faire couler l'eau. Quel terme est-ce qu'il faut dire? Fais couler l'eau. Bah, il faut que tu le vouvoies déjà dans tous les mots de commande, hein. Donnez-nous un signe ou des trucs comme ça. Par contre derrière, je sais plus. Il faut me parler avec le Toki, sinon. Ok. Ah bah non, mais c'est un jean, c'est EMF 5. Je vais tenter de lui faire couler, allons-y. Après, c'est soit un jean, donc soit EMF5, soit. Soit un jean, soit un Oni, on a déterminé. Oui, donc soit EMF5, soit des orbes. Mais non, c'est soit. EMF5, pardon. C'est soit les écritures avec le livre. Soit les orbes, ouais, bien sûr. Le livre est posé au bon endroit ? Le livre avant, on pouvait le voir. Ouais, il était dans la pièce en plein milieu devant la caméra. Ouais, tu peux lui dire écris dans le livre. Écrivez dans le livre, tu peux lui dire. Eh ben écoute, j'y vais. Et tu peux déplacer le livre, le mettre ailleurs. Pour que des fois qu'il interagisse. Elle s'appelle Jennifer Moore. Dans le livre, il y a de l'écriture dans le
Il est foutu, Zygma, il est foutu, il faut qu'on y aille, je pense. Il est totalement foutu. Ouais, vas-y, go. Marcel, démarre. Alors, question, vous m'avez entendu? Pas du tout. Oui, oui. Alors, écriture dans le livre, je répète, écriture dans le livre, fin du game, c'est un oni. Ok, je pense qu'on n'a pas besoin de faire le dernier... Je remonte à l'étage pour prendre le livre en photo. Alors, tu peux prendre un doudou en photo, sinon, un doudou, c'est une poupée vaudou. Si tu prends le petit poupée vaudou en photo, c'est considéré aussi comme une preuve surnaturelle. T'es à 75, Bob, en termes de santé mentale. Tout va bien, tout va bien. J'ai pris le livre en photo, vérifiez que ça marque bien dans les options. Oui. C'est dommage, on l'aimait tellement. C'était le meilleur d'entre nous. Alors le meilleur, je suis pas sûr. Hein. Tu regardes quoi à la télé? Alors là, je regarde un streamer assez populaire. Ouais. Man versus Simplay. Je crois qu'il... Voilà, exactement. Alors, il nous a parlé à travers la pièce. Il m'a parlé à travers la pièce, mais il n'a pas rempli les billets, ce petit enfoiré, donc... Bah du coup, je vous propose qu'on considère l'affaire comme résolue. Hein. Ouais, let's go. Franchement, il reste qu'un seul objectif. Ça va, quoi. Écriture Spirit Box, ouais. MF, et c'est un oni. Fin du game. Très bien. C'est bon, vous êtes tous remplis? Oui. Attends, on a une belle photo du fantôme, putain. Bah ouais, et deux même. Oh, elles sont magnifiques, comment tu les as prises? En tremblant des fesses. Ah ouais, putain. Bravo. Bravo, bravo. Elles sont merveilleuses. Merci. C'est ma plus belle collection. Ça. Je ferai une expo dessus. Ça sera pas, ça s'appellera l'expo. Incroyable.